Bonjour, bienvenue dans le Jeu en Groove. Aujourd'hui, l'essai d'une Kessler Natal, donc sûrement Natal, Arcadia. C'est du Made in England, a priori, British Design. Donc c'est pas sûr du tout que ce soit fabriqué en Angleterre. Je ne sais pas ce que c'est comme bois. Alors comme ça, je peux pas vous renseigner. C'est 8 tirants, ça fait 14x5x5, c'est très joli. Ma chérie dit qu'on dirait un bonbon. Voilà, alors je vous présente donc le bonbon. Alors, qu'ai-je fait de mon Madson? Ça, c'est pas très intelligent. Voilà, je l'ai retrouvé. Hop là. Il se pourrait bien que ce soit du peuplier, peut-être. Basswood. Non, c'est pas peuplier, basswood, c'est... Si, je crois que c'est ça. Enfin bref, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, je ne l'ai jamais essayé. Je ne sais même pas comment les régler en dessous. On va voir ça. Ah, d'accord, bon. Alors, c'est bien fait. Il y a un bon lit de teint qui est... bien creusé comme il faut. Voilà, ça c'est bon pour un pot de teint. Alors on y va. Bon, là elle est serviette éponge, hein, comme d'hab. Alors, oh, ben, c'est pas mal, allons-y. C'est la fête de tour partout. Ok. Par contre, la note reste belle. C'est plutôt pas mal. À Madson. Ça vaut 160 ou 100, entre 160 et 200 euros, suivant les endroits. Donc c'est pas une grande Kessler, mais c'est pas non plus une daube. Alors on arrive dans quelque chose d'intéressant. Drumhead, UT Drumhead, made by Remo
in Taiwan. Donc il pourrait bien que la caisse claire soit faite au même endroit. Moi, je dis que ça vaut bien ces 100 balles. Le déclencheur est un peu. Il est léger, mais il est bien fait. Presque façon Gretsch. Vous voyez? Vous voyez? C'est très joli. Ça se règle assez facilement. Avec une petite molette là. Bon, bah, c'est bien. Alors, je vais lui faire un dernier. Un dernier. Allez, un demi-tour déjà. Donc, ça fera un tour et demi. C'est bien puissant, il y a des belles harmonies. C'est plutôt pas mal, hein. Dirais que même si vous l'achetez 150 balles, 150 euros, c'est pas bien cher. Il y a de quoi faire vraiment d'occasion, hein. Évidemment, je parle de prix d'occasion. Hein. Allez, là il y a deux tours partout. Oh, comme ça pète! Petite caisse claire. La contrepartie est assez simple. Je pense que l'accastillage n'est pas d'une extrême qualité. C'est assez joliment fait. L'évent de compression est beau. Il y a du silène bloc partout. Je pense que c'est plus du plastique que du caoutchouc. Ça pèse 2 grammes. C'est plutôt pas mal. Franchement, voilà. Natal, marque anglaise, certainement fabriquée à Taïwan. Je conseille, à bientôt dans un jour à vous et vive le roi!